بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Aujourd'hui également nous avons comme thème le bon comportement حسن الخلق Comme nous savons tous que notre religion L'ensemble de notre religion se base sur le bon comportement. Car la religion lui-même est le comportement. It's un ensemble de comportements. C'est ce qui fit le sens même de l'envoi des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est expliqué dans un hadith où il dit sallallahu alayhi wa sallam « Innama bu'ithtu li'utammim makarim al-akhlaq » ou « salih al-akhlaq » Je n'étais envoyé que pour parachever le bon comportement. Et cela également est d'une importance capitale, car Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir envoyé le prophète pour ce but, l'a également nommé ainsi, l'a également appelé ainsi, l'a également décrit comme tel. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes d'une moralité imminente dans la sourate Al-Qalam. Et ceci également est témoigné par les messagers. Par ses compagnons, plutôt les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Anas, il dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahsanun nasi khuluqa » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le meilleur des comportements. Et cela va de soi. Et quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cette réponse également fut répondue par notre mère Aïcha radiyallahu anha quand elle fit demander au sujet du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit kana khuluquhu al-Qur'an son comportement était le Coran car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple du Coran qui marchait sur la terre c'est-à-dire qu'il faisait l'ensemble des ordres qui émanaient d'Allah qui figuraient dans le Coran et délaissait l'ensemble des interdits qui figurait dans le Coran émanant d'Allah Azza wa Jalla. D'où donc ce comportement expliqué par Aïcha radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était également connu par son comportement, par le bon comportement, avant même qu'il fût envoyé. Et c'est ce qui est expliqué par les gens pendant le temps de Jahilit. Il l'appelait Sadiq al-Amin, le véridique, le confiant. Donc, la religion tout entière parle du comportement, du bon comportement. C'est pour cela que le bon comportement est le meilleur, ou bien parmi les meilleures des choses qui permet à l'individu d'entrer au paradis. Car ce fut le sens même, comme je disais, de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, on interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les actes qui font plus entrer l'individu du paradis. Il répondit « Taqwa Allahi wa husnul khuluq » La crainte d'Allah et le bon comportement. Le bon comportement avec Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, c'est d'agir selon les règles et de laisser les interdits. Le bon comportement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est également le suivre comme étant un aveugle qui suit celui qui le guide. C'est-à-dire suivre ses pas. Comme le faisait sallallahu alayhi wa sallam, dans l'ensemble de l'adoration, que ce soit dans la prière, dans la salle, dans la prière, dans le hajj, dans le siyam, etc. Le bon comportement avec les parents, ceci également est très recommandé par Allah dans le Coran. Wa bil walidayni ihsana. Et quant aux parents, sois bienfaisant avec eux. Le bon comportement avec moi, avec l'ensemble des musulmans, l'ensemble des croyants. C'est ce que je disais, est le sens de l'envoi du Mursal sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelqu'un qui n'a pas de bon comportement, il a ce qu'on appelle un manque dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé ce messager que pour parachever ses bons comportements. Donc le bon comportement est d'une importance capitale qu'un individu doit se battre pour en avoir. Car comme nous avons dit, c'est la clé ou bien l'une des clés de l'entrée du paradis. حسن الخلق, le bon comportement. Assalamu alaikum wa rahmatullah.